Bon après-midi à toutes et à tous. Le chef de l'État est arrivé ce jeudi à la frontière ougando-congolaise. Joseph Kabila est allé à la rencontre de son homologue ougandais Yoweri Museveni à Kassindi. Au menu de leur rencontre, la situation sécuritaire qui prévaut dans l'est de la République démocratique du Congo, et en particulier à Beni, où il est arrivé mercredi. Retour sur la journée d'hier avec notre envoyé spécial Jonas Mbayaï. C'est à 15h35 minutes heure locale que l'avion qui transporte le président de la République est atterri à l'aéroport de Mavivi à Beni, accueilli par le gouverneur du Nord Kivu, Julien Paluku Kaongea, accompagné de membres du comité provincial de sécurité. Joseph Kabila a été précédé par le ministre d'État Salomon Banamouere, en charge de la décentralisation et affaires coutumières, le ministre du Tourisme Elvis Mutiri Wabachara et un groupe de députés élus du territoire de Lubero et de Beni. Après les honneurs à l'aéroport de Mavivi et salutations à la notabilité locale et sympathisants des partis politiques de la majorité présidentielle, le chef de l'État, Joseph Kabila, s'est rendu à sa résidence privée au centre-ville de Beni, en commune Béou, au quartier Boutanouka. Le président de la République arrive dans la région pour des raisons purement sécuritaires. Une rencontre avec son homologue ougandais est prévue à la frontière entre la RDC et le pays de Yoweri Museveni. À l'ordre du jour, la situation sécuritaire dans la zone de Beni, œuvre de présumé ADF Nalu. Parmi les capturés présumés ADF, on compte plusieurs citoyens ougandais et parmi les tués, on a enregistré des morts qui portaient la tenue de l'UPDF, l'armée ougandaise. Il faut aussi noter que la société civile a plusieurs fois dénoncé les incursions dans les territoires de Beni à partir de l'Ouganda de plusieurs colonnes des éléments armés, parfois identifiés comme les ex-M23, pour venir insécuriser la partie est du pays. La société civile a même dénoncé la présence de plusieurs blessés de guerre dans l'opération Sokola 1, soignés dans les hôpitaux en Ouganda voisin. La rencontre Kabila Museveni sera de tous les enjeux sécuritaires à l'est du pays, surtout dans le territoire de Beni. Depuis Beniville, Jonas Mbayaï, RTGA.